Bon, bonjour tout le monde, c'est Serekai, je reprends là où je m'étais arrêté la dernière fois, après ce petit rage quit, hein, vous savez, face à cette IA qui shit du cul. Là ils ont... J'ai massacré les troupes ennemies. Alors la stab et la perte du point de gouvernement, le choix est fait. On voyait les Mercos. Ils vont faire du boum boum sur la troupe ennemie. Elle est où sa grosse armée? Il avait une grosse armée. Il a une grosse armée. Et puis il va aller jusqu'au sud pour me casser les couilles. Au moins ils n'ont pas pris Constantinople, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je vais aller choper l'autre armée. Non. Je veux pas juste que tu te rendes, mon gars. Je veux ton trône, carrément. Oh, c'est planqué sur l'île. Oh, la fiotte, regardez-moi ça. S'il se planque sur l'île, comment est-ce qu'il fait pour ressortir? Ah ouais, mon pote. T'as pensé à ça? Du coup, je chope à Athènes. Alors là, par contre, je sais qu'il y a beaucoup de... qu'il a des trous, je sais pas pourquoi. Il avait une grosse armée que j'ai vue, la gros machin qui était là. Mais qu'est-ce qu'il en a foutu, je sais pas. Peut-être qu'il a perdu en tapant les rebelles depuis le nord et que j'ai pas fait gaffe. Je vais aller vers la Dalmatie, parce que la Dalmatie ça pue, c'est un coup à se retrouver avec l'autre chien là. Je vais mettre ici, j'ai déjà laissé libérer mon pays. Pas s'occuper trop de ceci. Coucou. Les mercenaires, je les envoie libérer mon pays. Ils serviront à ça, c'est gland. Et si seulement Vince pouvait virer sa putain d'armée. Y'a des arrêts de connards là-haut qui veulent libérer ta capitale, je vais me les faire. Et après, je vais à la Zemplaine. -115. Moins 115. Viens suicider mon gars. Sais pourquoi j'aime les mercenaires, gamin? Parce que c'est pas cher. On va la Fédjer. Tout ce qui est ici, je peux l'occuper. Gratos. Alors toi, si tu voulais me massacrer l'armée de Venise, ça me ferait plaisir. Je sais pas à quel point tu me rendras service, mon gars. Noblesse byzantine. Mieux vaut que ce soit la noblesse qui contrôle le territoire plutôt que des Hongrois. Je vais descendre comme ceci pour prendre ces provinces une par une. J'ai perdu les dirhams, merde. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Il va taper mes rebelles, ce con. Il va me fracasser plutôt les Vénitiens.
Moins 86. Bon, après, c'est que l'avantage, c'est que si l'Autriche quitte la guerre, ça veut dire qu'il y a une seule chose. Ils n'en peuvent plus. Enfin, si, ouais, c'est ça. Si l'Autriche quitte la guerre, c'est-à-dire qu'ils en pourront tellement plus qu'ils seront obligés de faire. Ben, de faire une paix. C'est-à-dire qu'ils pourront plus continuer la guerre, et puis du coup, ils n'engendreront pas la guerre contre moi, aux côtés de ces trous de balles de Hongrois. Et puis, ça, par contre, le coup là, 1104 ne sera pas oublié, hein. Je vous l'assure. Alors, j'espère qu'il va pas venir à Zemplin de me faire chier. Là, il va à Zabolès. Ça me plaît pas, ça. Mais c'est décidé peste ce connard? Non. Est-ce qu'il va aller à Vienne par hasard, ce trou du cul? Elles pleurent leurs hommes. Ah, c'est Gouzès qui chiale, ouais. Somogy, c'est là? Mais où est-ce qu'il va aller? Ah! On aurait une attaque de la Pologne sur la Hongrie, mais ouais. Bon. C'est fini pour ça. Voilà, on a sorti ce trou duc. Et là, je suis presque sûr qu'ils viendront plus, les Autrichiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la Pologne et moi contre la Hongrie. On a des mecs de Grenade, je sais pas ce que les mecs de Grenade viennent foutre ici. Et je sais une chose. Il y a l'armée hongroise, il y a la flotte hongroise qui est ici. C'est parti de Grenade, mais qu'est-ce qu'ils foutent là ces glands? Pécor, vous allez vous calmer les gars. Alors oui, je sais que c'est un peu chiant de faire ça, et bon, vu que mon pays, j'ai pas les moyens de me taper une révolte ou une guerre contre je sais pas quoi. Oh, tiens, c'est moche ça. Hein. C'est du Bosna, j'aime bien cette république, y a personne pour le soutenir. C'est passé de quoi ça? C'est les grenades, grenadanes. Pourquoi est-ce qu'il s'est passé de grenades? Dis pas que c'est con de faire tout le tour pour aller se taper. Oh les cons quand même. Tu me files quand même ton fric parce que je suis un peu dans la merde à cause de tes conneries. Parfait. On a fait l'UP avec la Hongrie, c'est bien. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit repli. On est en guerre avec ce connard des Polonais. Nickel.
Mais du coup, on va leur dire maintenant, les gars. Autriche, j'ai besoin de ton aide. Je suis en guerre de la Pologne. Moscou, ramène-toi. Et voilà, petit retour en situation à la Sérécaille. Mouahaha. C'est maléfique. On va améliorer nos relations d'urgence avec notre beau vassal. Ça me permettra peut-être de m'en parler de la Moldavie après tout. 126. Il a quel âge mon roi? 36 ans. Bon, peut-être encore une vingtaine d'années. Je monte de combien, attendez? Ça fait 2,5, 5. Ça fait 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11,6. 12,3 par an. En 10 ans, ça fait quand même 123 points. Et ça plus. Non, mais je pense que si mon roi meurt pas tout de suite, ça va le faire. Et les connards qui sont nous collés contre moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire, vous calmez les gars. Ouais, regardez ça, l'espèce de gredin qui se tape contre les Polonais. Je me marre. C'est de Bosnie, que je vous trouve, franchement, c'est de Bosnie. Et je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. L'épisode a assez duré, je pense. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde!